Hey les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Pelote. Et aujourd'hui on va parler de la saison 5 avec vraiment des news. Donc ça va pas être des news comme vous entendez partout. Il y a vraiment surtout une news ou deux que vous n'avez absolument pas entendu, parce qu'elle est sortie très très récemment. Donc du coup je vais vous la faire partager. En fait c'est tout simplement, donc déjà il y a le Dur Burger de Grizzly Groove qui a été retrouvé en plein milieu d'un désert. Mais c'est pas tout, ça sûrement vous le saviez. C'est surtout qu'il y a eu un numéro de distribué à ce burger, ou alors il y avait un numéro de noté sur le burger, et des gens ont tout simplement appelé ce numéro et ils ont filmé l'enregistrement audio qu'ils ont obtenu. Donc je vous laisse écouter. Donc voilà, on peut très bien voir que ça ressemble énormément à une faille temporelle qui a été écoutée. Donc le bruit quand on appelle ce numéro de téléphone, c'est exactement le même bruit que la faille, que les failles qui se trouvent dans le jeu de Fortnite. Donc si c'est Fortnite qui a mis ça en place, c'est vraiment des génies. Ils ont réussi même à intégrer le jeu dans la vie en posant déjà le burger de Grizzly Groove dans un désert. Et en plus de cela, en intégrant tout simplement un numéro de téléphone, auquel cas si on appelle, eh ben, on tombe sur cette espèce d'enregistrement audio au préalable, donc d'une faille temporelle. C'est vraiment extrêmement bien joué de leur part. En plus de ça, on a donc une encre qui vient d'apparaître sur la map au niveau de Snowy Shores sur les montagnes. Mais ce n'est pas tout, donc il y a cette encre là, et elle est placée au-dessus de la deuxième grosse faille du ciel qui s'est créée. Donc on a une première qui est là-bas, et on a une deuxième faille qui s'est créée exactement au-dessus, ou alors à peu près au-dessus de l'encre. Donc du coup je sais pas si ça a à voir quelque chose. Mais donc le premier objet qui a popé sur la map d'une autre époque, donc ça va être l'époque des pirates je pense, elle est exactement au-dessus de la deuxième grosse faille qui se trouve dans le ciel. Et donc du coup je sais pas si vous avez remarqué, mais la seule faille temporelle qui pop au niveau d'un endroit random, c'est-à-dire où il n'y a aucune structure, donc on a eu déjà à Lonely Lodge, à Tomato, et au motel, à Retail Row, mais ça spawn toujours sur une structure qui va être détruite par la suite quand il y a la création de la faille. Là cette faille elle a spawné de façon random, complètement aléatoirement dans une montagne où il n'y a rien. Et donc là au lieu de aspirer, elle a recraché quelque chose, donc une encre. Donc pour les prochaines failles à mon avis ça va être ça, ça va être spawné dans des endroits random. Comme par exemple à Anarchia Crest où il n'y a pas beaucoup de monde, et ben ils vont peut-être faire un lieu un peu désertique, un petit peu aride. Et donc là on aurait tout simplement une charrette qui va spawner et un squelette d'un buffle, d'un taureau, on sait pas trop quoi, qui a été trouvé donc dans les fichiers du jeu. Donc plus qu'à attendre les prochaines failles, et ensuite bon, on verra tout simplement popper ces deux items là. Il y a aussi des lignes qui ont été trouvées, des lignes de code non officielles, donc après une installation qui ont été trouvées. Donc apparemment ce serait pas trouvé dans le fichier du jeu, mais ça aurait rapport aussi avec un peu un Battle Royale. Donc pour l'instant ça sert à rien de s'enflammer sur ces informations, c'est vraiment pas du tout officiel. Mais ça parle donc de texture d'une map qui aurait pu avoir, donc c'est une texture au niveau d'un désert. Donc je vous mets tout simplement le screen. Mais c'est pour ça, faut vraiment pas s'emballer, ça se trouve il y aura pas du tout ces links là. C'est vraiment des links qui ont été trouvés sur des sites non officiels et de façon un peu random, en fait on sait pas trop les sources. Du coup c'est pour ça que je vous les mets quand même au cas où, ça pourrait donner des informations sur la suite, mais ce ne sont pas des informations officielles trouvées dans le fichier du jeu. Donc voilà les gars, c'était Pelote, je vous tiens au courant dès qu'il y a des nouvelles informations. N'hésitez pas à la liker, à la partager la vidéo pour informer tout le monde, et à vous abonner, ça me fera grave plaisir. Et vivement la saison 5, ciao.